Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, nous sommes en compagnie du bishop Alexandre Amazou qui est de retour parmi nous après une mission sur Paris. Bonsoir, papa. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un plaisir d'être là sur ce plateau avec, bien sûr, toute l'équipe. Que Dieu bénisse chacun. Alors, papa, depuis quelques semaines déjà, on entend sur les radios, sur les chaînes de télé, l'annonce d'un des événements majeurs des églises ABM Simonde. En l'occurrence, le Leadership Masterclass. Alors, qu'est-ce que le Leadership Masterclass et à qui est destinée cette conférence? Merci, c'est une très très bonne question. Leadership Masterclass est une plateforme d'édification, de formation et d'équipement de leaders. C'est une plateforme importante et c'est une vision que Dieu nous a donnée pour la francophonie, pour les leaders, parce que nous considérons qu'un leader qui est formé, c'est tout un peuple qui arrive à la lumière. Et donc, c'est l'un des programmes majeurs des églises ABM Simonde, Leadership. Et donc, nous sommes là en sa première édition en cette année 2022. Et je pense que c'est un plateau important pour permettre à quelqu'un qui me regarde, qui est pasteur, qui est évangéliste, qui est homme d'affaires, qui est un simple leader dans l'église. Parce que nous sommes tous des leaders en devenir en fonction de la vision que Dieu nous a donnée. Et donc, cette plateforme est vraiment une plateforme d'équipement pour tout le monde et elle est ouverte à tout le monde. Elle est ouverte à tout leader chrétien. Pasteur, est-ce que la participation à la conférence est-elle payante et comment y participer? Non. Vous savez, la Bible dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement », donc elle n'est pas payante. C'est pour nous un plaisir, à partir de la vision que nous avons reçue, de pouvoir mettre en place cette plateforme-là et permettre aux leaders d'être équipés. Donc, je veux dire, tout le monde peut venir. Toi qui me regardes, qui es connecté, tu es pasteur, tu es leader et tu aspires à la connaissance. Cette plateforme est ta plateforme. Soyez là, nombreux, c'est gratuit. La seule chose que nous vous demandons, si vous êtes nombreux dans des endroits, et si vous avez beaucoup de pasteurs ou de personnes qui souhaitent venir, il faut nous informer au numéro qui affiche pour que nous puissions nous organiser et mettre à votre disposition une navette qui vous prendra de votre localité à l'endroit de la conférence. C'est gratuit et je voulais vraiment encourager tous ceux qui nous suivent. Au-delà d'être connectés en direct, ce qui est déjà une très bonne chose, si vous pouvez venir en présentiel, ça sera exceptionnel. C'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Amen. Alors, vous l'avez compris, c'est gratuit. On vous attend donc nombreux. Pasteur, les orateurs à l'affiche de cette édition sont des grosses pointures. Mm-hmm. Est-ce qu'il sera possible pour les participants de les rencontrer en tête à tête? Oui, cette question, elle me fait toujours rire parce que la plupart des conférences, les pasteurs nous approchent, je veux rencontrer le pasteur. C'est possible. La première chose, le fait qu'il se soit rendu disponible pour être là pour enseigner, pour former, c'est déjà une très bonne chose. Donc, vous les verrez en direct, en présentiel. La deuxième chose, en fonction de leur calendrier, nous verrons s'il y a possibilité de rencontrer un tel pasteur ou un tel pasteur, c'est possible. Nous sommes tous frères et donc il y a possibilité qu'on puisse interchanger, parler et éventuellement s'il y a des témoignages édifiants les uns les autres, on pourra l'avoir. Mais je ne peux pas confirmer à 100% parce qu'il faut qu'on voit le programme de chaque pasteur et en fonction de leur programme, on pourra éventuellement, si il y a un leader qui souhaiterait de façon exceptionnelle rencontrer l'un des pasteurs, on pourra faciliter cela. On pourra le faciliter. Au vu de tout le dispositif mis en place pour cette conférence, le budget doit être très conséquent. Oui. C'est un budget énorme. Comme je l'ai dit, c'est une vision que Dieu nous a donnée par rapport à l'Église, par rapport au corps de Christ, par rapport aux leaders. Vous savez, vouloir équiper des leaders, c'est la chose la plus difficile, surtout dans le domaine évangélique où chaque leader a une certaine autonomie d'opération. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est avec le cœur parce que Dieu nous a donné cette vision-là pour l'Église. Et donc, je voulais encourager chaque leader qui me suit maintenant. Si tu es connecté à cette émission ou tu vois cette émission en différé, comprenez que tout ça, c'est pour vous que nous sommes en train de le faire.
Le thème que nous allons débattre pendant cette conférence est un thème exceptionnel, un thème plus qu'important, le leader du futur. Quel type de leader pour l'église de demain? Vous savez, Jésus va revenir bientôt. Et cette église qui sera la dernière église qui va préparer le chemin du Seigneur ne peut pas se permettre d'avoir des leaders médiocres, des leaders qui ne sont pas en accord avec le mandat divin. C'est important. Et donc, à cette conférence, nous allons équiper le corps de Christ, équiper les leaders. Quand je parle de leader, il ne s'agit pas seulement de leader ecclésiastique, hein, leader dans tous les domaines d'activité. Parce que dans nos églises, on n'a pas que les pasteurs. On a des hommes d'affaires, on a des intellectuels qui également dans leur domaine d'activité sont serviteurs de Dieu. Donc, ont besoin d'avoir un peu plus d'impact dans leur domaine d'activité. Un commerçant également est un leader dans son domaine. Une femme qui va au marché est un leader dans son domaine. Un pasteur est un leader dans son domaine. Donc, ici, dans les églises ABMC Monde, nous ouvrons l'esprit de nos fidèles sur le fait qu'ils sont leaders déjà, le fait d'avoir donné leur vie à Jésus, parce que Dieu a un mandat qui est singulier pour chaque vie. Et dans ton domaine, tu peux avoir un leadership. Mais comment devenir le meilleur? C'est-à-dire cet homme excellent qui a de l'impact dans le domaine où Dieu l'a établi. C'est très important. C'est très, très important. Voilà pourquoi équiper les leaders aujourd'hui n'est pas négociable. Parce que quand un leader est équipé, vous voyez, à sa suite, vous voyez le monde qui arrive à la lumière. Et donc, c'est une véritable bénédiction d'équiper nos leaders. Et je veux vraiment bénir Dieu pour cela. C'est vrai que beaucoup d'argent, nous sommes, oh, mais ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est rien du tout en fait. C'est vrai que, par exemple, vous allez voir que pour cette conférence qui a lieu, nous sommes à un budget autour de 4 millions de francs CFA juste pour les navettes. Ça, ce n'est pas la conférence, ce n'est pas les billets d'avion des pasteurs, ce n'est pas. Non, juste pour les transports des membres qui viendront, nous sommes à 4 millions. Donc, si quelqu'un au niveau de Internet, quelqu'un qui me regarde maintenant, a ce besoin de soutenir, gloire à Jésus. C'est une bénédiction. La Bible dit, la main qui donne est toujours au-dessus. Donc, je vais encourager quelqu'un à aller sur notre site www.abmc.com ou éventuellement scanner le code QR qui apparaît. Et avec ce code QR, ils pourront avoir accès à notre donc, compte et ils pourront faire leur don. Et ça va aider à, bien sûr, mieux organiser et surtout à mettre les pasteurs qui arriveront de tous les contrées de la Côte d'Ivoire et éventuellement peut-être de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, à les mettre dans les conditions pour pouvoir recevoir de Dieu. Et donc, je veux vraiment vous encourager à aller, à faire vos dons, vous tous qui êtes connectés, que chacun fasse un don spécial pour soutenir le leadership. Les églises Alliance biblique missionnaire Côte d'Ivoire organisent Leadership Masterclass 2022 du 24 février au 27 février. Un seul lieu, cathédrale ABMC à la Riviera Palmeraie, rond-point Saint-Viateur, près du collège La Pérouse. Thème, le leader du futur, foi, excellence et impact. Orateur, Dr Dominique Bangoré, pasteur Roland Dallo, pasteur Mohamed Sanogo et pasteur Alexandre Amazou, hôte. Au programme, soirée d'ouverture, jeudi 24 février de 18h à 21h. Vendredi 25, session du matin de 10h à 13h et en soirée de 18h à 21h. Samedi 26, de 10h à 16h et dimanche 27, à nos trois cultes, 7h30, 10h30 et 14h. C'est une occasion unique pour renforcer votre leadership. Que Dieu vous bénisse abondamment. Enfin, papa, vous avez une grosse surprise pour le peuple ABMC Monde, plus particulièrement pour celui du Canada. Merci. C'est comme je le disais tout à l'heure, certains ont dû le voir déjà sur les réseaux sociaux, hein, parce que nous avons lancé déjà la com sur la conférence ouverture d'Ottawa. Je le répète, cette année est une année importante. Nous avons instruit toutes nos églises par rapport à la vision de la grande moisson, la moisson abondante, et tous nos pasteurs ont reçu pour direction d'aller dans l'évangélisation. C'est-à-dire cette moisson doit se faire également dans les âmes, et donc dans l'implantation des églises. Et toutes nos églises dans le monde ont reçu comme cahier de charge d'établir au moins trois missions cette année. Et donc, en tant qu'église mère, nous donnons juste le bon exemple.
Et là, nous commençons avec le Canada. Nous allons bientôt être à Paris. Et nous allons bientôt ouvrir, même ici à Abidjan, plusieurs missions. Et donc, je voulais encourager quelqu'un. Cette année est une année stratégique. Si tu es là, tu me suis, que l'évangélisation devienne pour toi cette année l'élément essentiel de ton agenda. Tu verras la gloire de Dieu. Donc, nous serons bientôt à Ottawa pour une conférence ouverture les 4, les 5, les 6 mars 2022 à notre église d'Ottawa, qui est une église qui vient de commencer avec le pasteur Oswald. Tous les équipements, tout ce que Dieu a été formidable en ce qui concerne cette église. Et je serai bel et bien là. Donc, si tu es du Canada ou tu connais quelqu'un au Canada qui suit l'émission, il faut apporter l'information. Les 4, les 5, les 6 mars 2022 pour une conférence ouverture, une conférence exceptionnelle sur le thème le mystère des terres. Comment dompter ces terres pour accomplir sa destinée? C'est un sujet inédit. Frères et sœurs, ne vous faites pas raconter. Partagez cette vidéo, dites à vos amis. Le pasteur Alexandre Amazou sera là pour des temps importants de délivrance. Si tu as un problème, ce sera le moment. Je vais recevoir de façon personnelle tous ceux qui souhaiteront parler avec moi pour avoir des conseils et des directions. Je voulais dire à quelqu'un, j'aurai aussi un temps de dédicace de mon dernier livre sur la réalité du monde des esprits. Un livre important qui ouvre l'esprit sur la réalité des choses spirituelles. 2022 est ton année. C'est l'année où Dieu est sur le point de changer ton histoire. Ça a assez duré. Assez, c'est assez. Le temps est venu de voir la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu m'envoie au Canada. Si vous habitez le Canada, qu'importe là où vous êtes, préparez-vous, voyagez, soyez tous là, les 4, les 5, les 6 à Ottawa, aux adresses qui affichent. C'est l'adresse de notre communauté ABMC Ottawa. C'est à cette adresse que le programme aura lieu. Je vous attends tous, je vous attends nombreux. Partagez cette vidéo et nous sommes ensemble. Je vous bénis et à très très bientôt. Amen. Comme vous l'avez compris, nous vous attendons tout d'abord nombreux pour la conférence, le Leadership Masterclass 2022. Vous allez avoir toutes les informations sur le site internet ABMC, www.abmc.com. Et enfin, pour tous ceux qui vivent au Canada, nous vous donnons rendez-vous à partir du 4 mars pour une session d'ouverture suivie d'une séance de dédicace du dernier livre du pasteur Alexandre Amazou, qui est un best-seller, La réalité du monde des esprits. Donc, le livre est là et je voulais encourager nos chers internautes à l'avoir. Et donc, à cette conférence ouverture, j'aurai une session de dédicace parce que le livre, en ce moment, est en train d'être imprimé au Canada. Et nous aurons un temps également de dédicace, mais ce ne sera pas le seul livre qui sera dédicacé. Ce livre sera bien sûr en premier plan, mais nous avons également d'autres livres qui sont là, qui sont des livres importants. Donc, je voulais engager tous nos internautes qui nous suivent. C'est important la littérature, c'est important de lire pour augmenter sa capacité à servir Dieu. Et la librairie, avec sa responsable, vous offre, je vais lui donner la possibilité de vous donner les détails sur les offres et comment vous pouvez avoir accès à nos livres. Et tout de suite après, je pense que je vais dire une prière pour vous. Amen. Alors, vous pouvez vous procurer tous les ouvrages du pasteur Alexandre Amazou à la librairie, bien sûr, à BMC, mais nous livrons également. Peu importe où vous êtes, vous pouvez passer commande sur notre site internet ou appeler directement au numéro de la librairie et nous vous livrons. Vous ne trouverez pas seulement le livre « La réalité du monde des esprits », mais également l'intégralité des ouvrages du pasteur Alexandre Amazou à la librairie. Donc, on aura le transfert de l'iniquité par les liens du sang, la faveur des pères, la vérité sur les prières non exaucées, réussir sa vie, le protocole d'accès à la gloire de Dieu qui est de nouveau disponible, et enfin, comment commencer et bien finir sa vie. Nous avons étendu pour vous la promotion, celle de
la totalité des ouvrages du pasteur Alexandre Amazou au prix de 35 000 francs CFA. Alors dépêchez-vous, la promotion n'a pas duré éternellement, donc on vous attend, passez commande, vous serez libre. Merci pasteur. Merci à toi, merci à toute l'équipe. Pour terminer, je voulais juste encourager tous ceux qui nous suivent et qui continuent à suivre les églises ABMC. Je voulais remercier toute la grande famille des églises ABMC Monde en ligne. Continuez à être fidèles, abonnez-vous à nos pages. Vous êtes de la famille, nous vous considérons comme membre de la grande famille ABMC Monde, quel que soit là où vous êtes. Partagez donc nos directs, nos cultes, et je crois que Dieu vous fera du bien. Pour terminer, je voulais prier pour quelqu'un qui est malade, qui a une situation difficile, qui a une limite. Vous devez faire confiance en Dieu. Dieu est bon et Dieu a la capacité de changer votre vie et changer votre destinée. Et donc, en suivant cette émission, je pense que déjà la grâce de Dieu vient à vous. Et donc, mettez la main juste là où vous êtes malade. Qu'importe la maladie, qu'importe la limite, la puissance de notre Seigneur a la capacité d'aller au-delà des ondes et vous atteindre là où vous êtes. Et donc, je vais prier pour vous. Mettez vos mains là où vous avez le mal. Je déclare, Père Céleste, au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui est connecté maintenant. Qu'importe la limite, qu'importe le blocage. Par la puissance du nom de Jésus, je déclare maintenant la guérison divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'importe les plans que l'ennemi a planifiés dans les couvents de la sorcellerie, programmés dans les mois, programme de mort, programme d'accident, je viens par la puissance du nom de Jésus et j'apporte la liberté au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ta main qui est puissante et qui accorde à quelqu'un maintenant, Seigneur, un miracle au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu et la faveur de Dieu dans vos maisons. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de nous avoir suivis. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Et je vous attends pour les 24, 25, 26, 27 pour Leadership Masterclass. Ça sera un moment exceptionnel avec des orateurs de taille. Le pasteur Mohamed Sanogo, le papa Bangouré Dominique, le pasteur Dallo et votre serviteur. Ça sera un moment exceptionnel. Ne manquez pas, ne manquez pas. Votre vie sera complètement transformée et votre ministère. Dieu vous bénisse et à très bientôt. Les Églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire organisent Leadership Masterclass 2022 du 24 février au 27 février. Un seul lieu, cathédrale ABMC à la Riviera Palmeraie, rond-point Saint-Viateur, près du collège La Pérouse. Thème, le leader du futur, foi, excellence et impact. Orateur, Dr Dominique Bangoré, pasteur Roland Dallo, pasteur Mohamed Sanogo et pasteur Alexandre Amazou, hôte. Au programme, soirée d'ouverture, jeudi 24 février de 18h à 21h. Vendredi 25, session du matin de 10h à 13h et en soirée de 18h à 21h. Samedi 26, de 10h à 16h et dimanche 27, à nos trois cultes, 7h30, 10h30 et 14h. C'est une occasion unique pour renforcer votre leadership. Que Dieu vous bénisse abondamment.